Et salut tout le monde, ici le gamer. Aujourd'hui, un petit unboxing. Comme vous pouvez voir, j'ai ma vieille souris Thermaltech Level 10, la TT Sport ou quelque chose du genre, je me rappelle bien du modèle. J'ai adoré cette souris-là, à part que la pogne est un peu moyenne, la pogne. Mais le problème de ma souris, c'est que j'ai un piton. Elle fonctionne encore, mais j'ai un piton de finalement. J'ai un piton brisé, ben quand même, le piton fonctionne encore numéro 1, je vais la garder pareil. Mais tu sais, c'est ça. Parce que je l'aimais, parce que j'avais une base aussi en métal, tout le bordel. Puis je l'avais payé en spécial, vraiment pas cher, à part la pogne était moyenne. Mais c'est ça, j'ai un piton aussi, tu sais. Mais en tout cas, vous voyez un peu le problème. Parce que j'ai commandé une autre souris que j'ai payé en spécial sur Newegg. Bon, ok, je vais me plaindre que le shipping était un peu lent quand même, mais pas juste le shipping, c'est surtout le tracking, là, c'était vraiment pourri. Là. Fait que j'ai acheté une souris, je sais pas ce qu'il y a à vous, bon, en tout cas, j'ai eu des reviews, et quand même assez bien coté. J'ai acheté la marque Rose Will. La Neon M60, souris gaming. Évidemment, elle a des lumières, elle peut monter, ça a l'air jusqu'à 12 000 DPI. Quand même, on va checker les spécifications vite de tout. Feature. Ouais, sensor engine, blablabla. Vite chose programmable, puis. Vite, les niveaux programmables de DPI jusqu'à 12 000 DPI. Il y a 8 boutons programmables à accès facile. Design qui ne glisse pas. Puis regarde, on le voit ici. Les DPI, oui, en rouge, ça indique qu'elle est à 800 DPI. En vert, c'est 1600 DPI. En couleur bleue, c'est 2400 DPI. Orange, c'est 3600 DPI. Mauve, c'est 5000 DPI. Puis en vert, en blanc, quand la lumière est blanche, c'est 12000 DPI. Ouais, c'est quand même pas si mal comme ça. C'est sûr que déjà, quand on a 2000 DPI, même 5000, c'est déjà plus qu'il en faut. Reporting rate 1000 Hz. Backlight RGB, blablabla. Fait que c'est quand même pas pire. Elle était quand même bien cotée. Je l'ai payé en spécial à 50% de rabais sur Newegg la semaine passée. Et au lieu de 50, elle était à 25$. Puis ça me tentait pas là, de me casser le cul. Réellement, tu sais, j'avais pas un gros budget. Fait que quand j'ai vu celle-là, j'ai checké le review. Elle est quand même assez bien cotée. Bon, ok. L'emballage, c'est un peu slack dedans. La boîte est quand même assez belle. Donc, on va regarder vite. Ici, on a. Oups. Bon, ici, on voit la souris. C'est quand même. Le design a l'air quand même très, très, très bien. Elle a une belle forme arrondie. C'est parfait pour. J'adore ce genre de souris-là. Et on voit la souris vue d'ici. Dans sa boîte. Fait qu'on va la déballer. Attendez une minute. Je vais aller chercher mon canif, par contre. On va aller pas mal mieux. Excusez, fallait que j'aille chercher mon canif, hein? Ça sera pas long, je vais juste couper le seal là, de la boîte, là, parce que je cherche ma petite lame, parce que... Bon. Et voilà, bon, c'est fait. Fait que ça sera pas long, on va l'ouvrir parce que ça va mal d'ouvrir ça quand je tiens la caméra à une main. On va voir. Bon, ça se fait quand même relativement assez bien. Bon, ça sera pas long quand même. Bon,
Ah, ok. Ok, d'accord. Donc, il est recouvert. D'accord, mais il est recouvert de comme un peu de tissu tressé. Ça, j'ai la même chose sur ma thermomètre. Hein, c'est quand même très bien. Le câble, il est de qualité quand même. C'est surprenant. C'est très très surprenant quand même. Je m'attendais à un câble, tu sais, du câble en caoutchouc bien ordinaire. Et voici la fameuse souris. Bon. je la testerai pas. Je vais pas la tester ce soir là, parce que il est tard, ça me tente pas. Bon, ici on a de la... Ici, on a de la grippe antidérapante. C'est du plastique, c'est pas du caoutchouc, mais c'est de l'antidérapant. C'est quand même bien. Bon, la roulette, ça, elle a quand même un bon. Elle donne un bon feeling. Ok. Un peu cheap comparé à ma Thermaltake, mais tu sais, la Thermaltake. Ouais. Un peu plus cheap que ma Thermaltake. C'est sûr que la Thermaltake, c'est pas le même prix. La Rosewill au prévié est 50$. Ça, c'était plus de 100$ à l'époque. Fait que tu sais, la roulette, elle file un peu cheap, mais. Quand même pas si pire, moi je trouve. Pour le prix, c'est quand même surprenant, quand même. Ben, ouais, un peu cheap, mais quand même, c'est pas si pire. Bon. Ouais, les boutons sont quand même pas pires, ils sont quand même très très bien. Fait qu'on a des. On a tout. On a sur le côté un bouton ici, un ici. Puis on a trois boutons sur le côté. Pour, on peut les programmer. C'est quand même pas pire de ce côté-là. Sur le dessus. On a un bouton plus puis moins, ça doit être pour ajuster les DPI de la souris. Sauf, ils disent que. Ils disent, je pense, si j'avais bien lu, il n'y a pas une affaire pour la programmer dans la curiosité de souris. Ouais, il y a un software RGB qui est. Un software controlled RGB. Bon, mais il n'y a pas de CD qui vient. Il n'y a aucun CD qui vient. Fait que, ok, il va falloir que j'aille voir sur Internet, sûrement sur le site, on peut programmer, ou à moins que ça s'installe tout seul, je ne sais pas. Fait que, bon. Fait qu'on va juste checker de quelque chose. C'est une souris laser, ça, ou c'est une optique? Parce que l'optique est beaucoup plus performante que le laser. En plus, ce qui est là, c'est le fun, hein, je viens de découvrir quelque chose. Ici, on a une switch pour mettre les LED à on ou à off. Ah, c'est pas pire, ça. Les patins. Très bon feeling des patins, puis surtout très bien fixé. Ma Thermaltake, elle avait un défaut, les patins avaient tendance à se décoller, il fallait les recoller de temps en temps, mais celle-là, je pense qu'on n'aura pas réellement de problème de ce côté-là. Je pense que ouais, c'est une souris, d'après moi, optique. Ouais, c'est une optique, c'est ça que je voulais, moi. Fait que, pour une petite souris de gamer, ouais, c'est ça. Il va falloir que j'aille chercher la série de, ça, de logiciels sur Rosewill. Rosewill. Fait que pour une petite souris de gamer à 50$, mes premières impressions, c'est que oui, si vous n'avez pas trop cher à dépenser, si vous n'avez pas un gros budget pour une souris de gamer, puis elle monte jusqu'à 12 000 DPI, supposément, moi, personnellement, je trouve que c'est quand même un très bon achat. Surtout si vous la pognez comme moi je l'ai pogné vraiment en bon rabais, ça vaut encore deux fois plus la peine parce que je suis surpris par la qualité de construction de cette souris-là pour une souris au prix régulier à 50$. Je suis vraiment très très, mais très très surpris de la qualité, j'ai hâte de l'essayer. On a un beau velcro ici qui tient le câble enroulé, comme j'ai dit. Non, vraiment là, c'est vraiment très chapeau je dirais, comme souris. C'est sûr que je vais l'essayer prochainement quand je vais avoir un peu de temps. Mais à date, le feeling, surtout pour ma main, oh wow, j'adore. Moi, c'est ça, c'est mon style de souris, ça. Le style là, arrondi, là, oh misère. J'ai toujours aimé ces souris-là. Ma vieille Logitech, il y a très très longtemps, ma MX518, je pense, optique, là. Ah, je l'ai adoré, cette souris-là. Je l'ai usée. Ha! Que je l'ai usé cette souris-là, cette Logitech-là. Mais j'avais pas les moyens de m'acheter une Logitech, même ils font encore la MX518, elle est toujours existante, mais le modèle, elle est pareil extérieur, tu sais. La sauve s'appelle plus de même, hein, c'est quand même pas donné, c'est plus de 80$. Mais pour une souris, là, qui vaut 50$,
J'avoue qu'elle est particulièrement très confortable. J'ai vraiment hâte de l'essayer. J'ai hâte de voir les lumières qui allument dessus. Fait que c'était une petite vidéo sur un unboxing concernant ma nouvelle souris d'ordinateur. Et je trouve que ça vaut quand même, je trouve que pour l'instant, mes premières impressions, je trouve que c'est quand même un produit qui a quand même une très bonne qualité pour le rapport qualité-prix. C'est sûr qu'on peut pas rivaliser avec une souris à 100$ et plus, mais elle peut rivaliser facilement avec des souris de cette même catégorie-là, de bien autres marques, exemple de Corsair et ainsi de suite, Corsair, Logitech. Je trouve que c'est un produit qui, qui peut très bien rivaliser de ce côté-là. Fait que c'est tout nous, pour cette vidéo. On va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!